Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Nous sommes actuellement le lundi 2 novembre. Ça y est, nous sommes au mois de novembre. Nous sommes le premier vrai jour confiné puisque les derniers jours c'était un peu laxiste au niveau du gouvernement. Voilà, premier jour de vrai confinement. Je l'espère en tout cas pour les autres qui ont vraiment bien joué le jeu. En tout cas, bon courage pour celles et ceux qui le vivent mal en fait ce confinement. Si vous aimez pas être chez vous seul ou entouré de quelqu'un qui vous fait chier à longueur de journée. Il m'a pas entendu, ça va. Bon, si vous vivez mal, j'espère qu'en tout cas vous pourrez vous divertir avec les différentes youtubeuses, etc. que vous pouvez voir sur YouTube, sur Instagram, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, c'est ElisaBRTOff. Je pense que là, ce mois de novembre, je vais faire peut-être un peu moins de vidéos YouTube et un peu plus de stories Instagram parce que j'ai des examens tout le mois de novembre. C'est des examens un peu spé, hein, comme d'habitude, vu que c'est en confinement, en distanciel. Il faudra que je révise vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc j'ai déjà fait une première semaine de révision, donc la semaine dernière, pendant les vacances, entre guillemets les vacances. Là, je continue en fait. Donc normalement, j'ai un cours actuellement. Je vais voir si elle a mis le cours sur l'ENT. Apparemment, non. Donc je sais pas trop comment ça se passe. Je vais regarder dans les amphis virtuels, voir si elle y est, mais je l'ai pas vue tout à l'heure. Bah non, il y a personne et il n'y a pas ses cours. Donc bon, je sais pas trop comment ça va se passer. Je sais vraiment pas. On n'a pas eu vraiment d'informations à ce sujet-là. Donc voilà, je sais pas trop. Donc pour l'instant, bah j'attends. J'ai aussi cours à 12h. Il y a actuellement 10h44. Et je sais que vous vouliez une vidéo semaine de révision, comment je fais pour réviser, etc. J'ai noté pas mal de petites choses dans mon iPad pour vous en parler. Peut-être que ça pourrait vous aider. Donc peut-être que la prochaine vidéo sera ça, la semaine de révision, comment bien réviser, comment bien s'organiser, comment bien être focus et pas être diverti par telle ou telle chose. Moi quand je révise en fait, je me mets toujours une petite bougie. Alors soit je prends les Yankee Candle comme ceci, soit je me fais une petite votif que je mets ça dedans. Et je trouve que c'est trop trop beau, c'est ma soeur qui me l'avait acheté pour Noël il y a 2 ans et j'utilise tout le temps, c'est hyper bien. Là en ce moment je suis en train de m'allumer la couronne de pommes rouges. C'est pas ma senteur préférée de Yankee Candle, je vous avoue. Je l'allume pas beaucoup beaucoup parce que ça sent vraiment hyper fort dans toute la pièce. Donc voilà, si vous aimez bien tout ce qui est un peu pomme, cannelle, très sucré, c'est parfait pour vous. Mais si vous aimez pas trop les odeurs fortes, je vous la conseille pas trop. J'ai mis un quart de tartelette là-dedans. Donc vous savez, c'est vous mettez un chauffe-plat en dessous et après ça chauffe, ça se diffuse, etc. Et ça s'appelle... Ah putain, ça pas enneigé, je crois, un truc comme ça. En fait, moi ce que je fais généralement, c'est que j'allume ma bougie. Dès qu'elle s'éteint, bah j'arrête de bosser. Mais généralement ça s'éteint au bout de longtemps, je vous avoue. C'est je crois 20 heures de combustion, si je puis dire. Généralement ça me fait 2 jours de travail, donc ça me fait 10 heures. Genre là, mettons, je vais commencer à 11 heures de bosser, je vais finir vers 21 heures, et le lendemain ça va être pareil. Et dès qu'elle s'arrête de brûler, bah j'arrête de bosser. En gros je fais un peu ça, je vois un peu au niveau du timing et tout. Hop, et ça sent super bon. Hein. Ça va être moelleuse. C'est ouf, je pense que je vais me la prendre en grande jarre parce qu'elle sent super bon. Et puis voilà, il y a Birdie qui est en train de s'étaler sur le canapé, bichette aux commandes, ça me fait trop rire. Et en fait ici, il y a un petit creux des fois, où en gros, il y a le rideau qui se met un peu sur le côté, donc Birdie peut voir ce qui se passe dehors en fait. Dès qu'il y a un chien à la boîte, dès qu'il y a un enfant à grogne, c'est vraiment ma chienne, hein. Oui, t'as vu, je parle de toi. Oui, je parle de toi, mon cœur. La caméra. Bonjour tout le monde, comment ça va? Eh, en ce moment, ça incruste trop dans mes photos Instagram, hein, c'est fou, hein. Ouais, non, mais je te vois venir, madame qui veut me, hein, wow. Ouais, ticket! Ouais! Ouais! Bon, allez, on va aller travailler. Make-up très très moche. Moi je teste des choses, écoutez, c'est le confinement, on teste. Généralement ça aboutit à ce genre de résultat très très moche, mais bon, bref. Donc je me suis habillée vite fait et tout parce qu'il faut pas rester en pyjama pendant le confinement, c'est hyper pas bien. Il faut se motiver un petit peu. Donc je me suis mis mes petits bijoux, donc je les ai reçus il y a pas longtemps ces bijoux là, je les ai reçus je crois la semaine dernière. C'est arrivé hyper rapidement, je vais vous parler un peu de cette marque là qui est vraiment pas mal du tout. J'espère que vous allez garder son nom en tête pour tout ce qui est cadeau de Noël, etc. parce que c'est vraiment pas mal. Donc c'est la marque
Who We Are, donc c'est celle-là. Très belle marque, une très belle éthique, je vais vous en parler un petit peu plus. Donc ils m'ont proposé de m'envoyer des bijoux pour une certaine somme, donc j'ai pu choisir les bijoux que je voulais sur leur site internet et j'étais hyper surprise. Déjà la livraison est très rapide, en même temps c'est du Made in France, donc la livraison est arrivée 3-2 jours, enfin c'était hyper rapide, hein, vraiment. Donc j'ai pu choisir les bijoux que je souhaitais, donc je vais vous les montrer. Alors tout d'abord j'ai pris ce petit bijou d'oreille, alors c'est quelque chose que je voulais tester depuis pas mal de temps, ce genre de choses. Personnellement je n'adhère pas, je trouve pas ça joli sur moi, mais c'est vraiment hyper, enfin le bijou en lui-même est hyper joli, donc vous pouvez soit le mettre ici au niveau de l'oreille là, soit au-dessus, enfin vous pouvez le mettre sur l'oreille comme vous voulez. Voilà. Moi personnellement je n'aime pas sur moi, mais voilà, si vous cherchez des petits bijoux comme ça plaqué or ou en argent massif, n'hésitez pas à aller voir sur leur site. En tout cas je pense que celui-ci il se fait que en plaqué or, il coûte je crois 19 euros pour du plaqué or, c'est vraiment pas très cher. Ensuite j'ai pris ces petites bagues là, donc la première c'est celle-ci, donc c'est une bague en toujours plaqué or, c'est un peu le même motif que ce bijou là. Donc ça se présente comme ceci, hyper bien parce qu'en fait elle est réglable et moi les bagues réglables je trouve ça tellement pratique parce qu'on n'est jamais sûr de notre taille à chaque fois au niveau des bagues, c'est une catastrophe, soit c'est trop grand soit c'est trop petit, là au moins bah, ça va te durer dans le temps et si tes doigts maigrissent, tes doigts grossissent, et ben dans tous les cas tu pourras la mettre, donc j'aime beaucoup ce genre de bague. Elle coûte 37 euros, c'est la Svelte, de toute façon je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais vraiment très belle, elle tient super bien. Ensuite j'ai choisi cette petite bague là. Donc elle est magnifique, j'adore ce genre de style de bague, très beau, très bien travaillé, les détails sont sublimes. Celle-ci coûte 47 euros je crois, ou 46 euros, pour du plaqué or encore une fois c'est pas cher du tout. Très belle bague aussi, donc moi j'ai pris la taille 52, au début j'avais pris la taille 50, mais j'ai eu un petit doute et c'est 52 qui me va, je suis super contente. Et ensuite j'ai choisi ce petit collier en forme de soleil, il est divin, il est sublime, et donc ce collier là coûte 47 euros. Donc tous les bijoux sont en plaqué or et en argent massif, c'est de la bonne qualité, ils sont tous 100% made in France. Et ce qui est bien c'est qu'en fait ils livrent partout dans le monde, enfin peu importe où vous êtes, vous pouvez être livré et ce assez rapidement je trouve en France, enfin, c'est sous 2 jours, c'est vraiment très rapide. Et en fait sur chaque vente ils reversent 50 centimes à une association, donc ça peut être par exemple le fonds de soutien de l'OMS pour le Covid-19. Pour la Covid-19, excusez-moi. Oh bref, on a compris. Ou sinon contre le cancer, la SPA, enfin bon, il reste quand même de l'argent pour des associations, ça c'est super bien. Pour vous dire, il y a eu 4500 euros qui a été récolté pour le cancer, pour lutter contre le cancer, donc c'est énorme. Je sais plus si c'est vous qui choisissez le... au moment de l'achat l'association, ou si c'est directement l'entreprise qui choisit, enfin je sais pas, mais je crois que c'est vous qui choisissez au moment de l'achat à qui vous voulez donner les 50 centimes. Donc bref, c'est une très belle entreprise française avec une très belle éthique, donc si vous voulez faire des cadeaux de Noël, je trouve que c'est une super belle idée. Les bijoux sont pas très chers par rapport à ce qu'on peut voir habituellement. Privilégiez ce genre de petits commerçants, cette petite entreprise, que d'aller dans des grandes marques voilà, qu'on connaît tous. Vraiment, les bijoux ne vont pas bouger dans le temps. Peu importe si tu te laves avec, si tu mets du savon ou autre, ça ne va pas les abîmer. Et donc, Chiquette, qu'est-ce que tu veux? Chiquette, elle veut s'amuser avec son jouet là, j'en peux plus. Pour vous, j'ai un code promo de moins 20%, je crois que c'est PandaPi20 ou quelque chose comme ça, je vous le mettrai juste là et en barre d'infos, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, ça vous offre 20% sur tout le site, donc c'est vraiment pas mal du tout. Donc ça vous fait en gros la bague, celle que j'ai ici, qui est de base à 46 euros, vous enlevez 8 euros, ça vous fait à 38 euros la bague en plaqué or. La livraison n'est pas très chère vu que c'est fait dans une petite enveloppe, donc c'est pas très cher à envoyer. Donc voilà pour ça, en tout cas, très belle découverte, je suis super contente. Et en plus ils ont un Instagram, n'hésitez pas à aller checker leur Insta. Et vraiment très jolie bague. Ça c'est ma préférée, je l'aime beaucoup trop. Vraiment très belle. Mais je sais pas si je vous avais déjà montré, mais en gros il y a mon copain qui m'avait offert un petit bouquet d'automne. Il est trop beau. Il est vraiment pas très cher à faire en plus. Avec la remise Truffaut c'était dans les 25 euros. Donc c'est pas très cher pour un beau bouquet comme ça. Et sans la remise Truffaut je pense que c'est autour de 30 euros. Il a mis des petites feuilles rouges. Elles sont peintes, elles sont sublimes. Il a mis des roses. Donc là ça fait 2 semaines hein, que le bouquet est là. Et il tient toujours, hein. Franchement je suis super contente. Donc des roses orange, rose. Des fleurs de lys, c'est mes fleurs préférées. Elles sont magnifiques, elles se sont toutes ouvertes, trop belles. Donc là j'ai coupé en fait tous les pistils de merde là qui tachent ma table à chaque fois. Malheureusement ça a un peu taché certaines feuilles, genre là ça a un peu taché. Mais bon vas-y c'est pas grave. Ah oui il y a des feuilles un peu spéciales. Ah merde j'ai oublié ici, je l'ai pas vu.
Mais il y a des feuilles un peu spéciales, genre le pistil, il a créé une feuille. Enfin, genre la feuille s'est faite sur le pistil, c'est relié. J'ai jamais vu ça, je trouve ça trop beau. Donc voilà pour ce magnifique bouquet, il est sublime. Et il m'a mis une espèce de... Je sais pas si c'est de l'hortensia. Mais en fait, ça c'est hyper galère à entretenir. Et encore, le mec de Truffaut nous a dit que ça durait 2-3 jours. Là, ça fait quand même 2 semaines. Elle est toujours là. Et en fait, pour l'entretenir, il faut couper la tige tous les 2 jours. Vraiment hyper biseauté. Et changer l'eau tous les 2 jours, chose que j'ai faite. Et ça tient vraiment super bien. Voilà le petit bouquet. Il est trop beau. Vraiment sublime. Bon, je viens d'avoir mon cours. C'est une galère pas possible. Alors, pour ceux qui aimeraient bien voir mes cours et tout, là c'est mon cours de... comment ça s'appelle ? De marketing. Donc je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais voilà quoi ça ressemble. Donc j'ai fait d'autres méthodes. J'ai surligné, après j'ai écrit en blanc pour que ça fasse un petit truc comme ça. Je trouve ça assez joli. Moi j'aime beaucoup mon cours, il est trop beau. Et là j'ai loupé une partie, donc je l'ai mis en rouge, en gribouillé rouge, pour pouvoir réécrire. Et là c'est ce qu'on avait là tout à l'heure. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien quelque chose avec cette caméra. Est-ce que c'est prêt? Donc là en fait on va se faire des sandwichs. On a vraiment la flemme de se faire à manger. Généralement le midi, déjà le midi je mange pas, je vous avoue. Vas-y on s'est forcé, on va dire vas-y il faut manger quand même un petit peu. Donc déjà il y a mon cours qui est fait, j'ai un cours de fiscal à 15h30. Sauf qu'il est pas très technologie le prof. Donc je sais pas comment ça va se passer. Mais en tout cas c'était chiant parce que en fait la prof elle est de bonne volonté et tout, genre ça se passe bien pour elle, genre elle fait des efforts et tout, mais c'est les étudiants qui foutent la merde et ça m'énerve. Genre on te demande 15 fois de couper ton micro, ils coupent pas leur micro. Donc on entend ce qu'ils racontent, ça coupe la prof, enfin bref c'est une catastrophe, pourtant c'est pas compliqué, tu mets sur mute quoi. Sinon j'ai acheté à Truff, hein. Bébé le four. J'ai acheté ça à Truffaut, bon là il a vraiment réduit en 2 jours je crois. C'est du pain d'épices au miel. Il est excellent celui de Truffaut. Excellent. Vraiment de base je suis pas très pain d'épices hein. Mais celui-ci est vraiment bon, il est bien sucré et tout comme il faut. On l'a vidé en 2 jours, bien. Hier on voulait faire un gâteau à la banane et chocolat. On a fait ça pendant le confinement parce qu'il n'y avait plus d'œufs et tout. On voulait faire un gâteau et c'était vraiment bon. Donc on va se faire ça peut-être demain ou après-demain, je sais pas. Je vous montrerai ça sur Instagram. Sinon j'étais passée à Ikea la dernière fois, j'ai acheté des petits bocaux. Je sais pas si ça vous intéresse. J'ai acheté ça en 2 fois et en beaucoup plus profond. J'ai acheté aussi un bocal rond. Donc là il est au lave-vaisselle actuellement avec le petit truc comme ça. Donc ça coûte cher hein, ce couvert qui coûte 3€, le bocal dans les 1€. Et là j'ai acheté le petit bocal. Comme ça, le un peu plus profond, carré, mais sauf qu'il n'y avait pas encore le couvercle. Et ma petite chiffonnière, elle est trop belle. Elle pousse bien, je suis contente. Trop mignonne. Donc voilà, ça va être ça le repas du midi. C'est mon petit jambon. Juste ton petit jambon. Mon petit jambon. Juste ta petite dinde. Comme vous pouvez le voir, j'ai énormément de boutons sur la partie basse. Là, tout là, j'ai plein de boutons. Et c'est des boutons qui sont enflammés hyper mal. Surtout là en dessous. En fait, c'est là où il y a le masque qui se met. C'est hyper casse-couille, je sais pas trop comment faire pour remédier à ça, mais c'est horrible, ça fait super mal. Donc j'ai regardé une vidéo, c'est la vidéo de la petite Gabi, c'est le truc masque et acné, tu vois. Donc j'ai regardé, elle donnait pas mal de conseils, etc. pour les peaux acnéiques comme moi, etc. Donc j'ai regardé, j'applique une astuce qu'elle a donnée il y a pas longtemps. C'est en fait quand tu changes de masque, tu te nettoies le visage. Parce que moi avant je changeais de masque, mais je me nettoyais pas forcément le visage entre chaque masque. Et je pense que c'est pas con, mais c'est ouais, c'est vrai qu'il faudrait peut-être se mettre une lotion, enlever un peu tout ce qui est un peu humide, etc. Toute cette partie-là, en fait, nettoyer. Et ensuite mettre un nouveau masque. Je pense que c'est pas mal et je l'ai fait à Truffaut la dernière fois. Là, j'ai enlevé mon masque, je me suis tout nettoyé et tout. Et j'ai remis un autre masque et je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc déjà, j'ai beaucoup moins de boutons depuis que j'applique cette solution-là. Après j'ai utilisé pas mal de nettoyants etc. Que j'ai d'ailleurs fini, je vais vous montrer ça. Alors j'ai gardé exprès pour vous hein, les petits packagings. Donc j'ai utilisé, bon, moi ça n'a rien à voir avec l'acné hein, mais j'ai voulu utiliser ça, le gel savoureux pour le corps de la marque Origins, le Ginger Burst. L'odeur je n'aime pas du tout, c'est un peu citronné, gingembre, enfin bon ginger c'est gingembre mais ça sent très fort, je le rachèterai pas. Mais si vous aimez bien tout ce qui est gingembre et citron en gel douche pour le corps, n'hésitez pas, je vous mettrai peut-être le lien si je le retrouve. Ensuite ça c'est vraiment une pépite ce petit nettoyant pour le visage de la marque Origins Checks and Balances. C'est vachement bien, c'est hyper purifiant.
tu le laisses agir un petit peu, genre une minute sur ton visage, et après tu rinces, et c'est vraiment très très bien. Celui-ci, je le rachèterai, il est hyper hyper bien. Ensuite, j'ai fini mon petit Melvita Roll-On Purifiant, donc ça je l'avais acheté sur le site de Beauté Privée, ils font pas mal de remises, n'oubliez pas, il y a toujours mon lien de parrainage pour avoir moins 5€, et donc c'est pour les imperfections, donc j'utilise ça pour les imperfections, ça picotait je vous avoue, mais je trouvais que ça assainissait quand même pas mal le bouton. Et j'ai fini mon petit masque Tony Moly, celui-ci est très très bien, la qualité est super, encore une fois je l'ai acheté sur Beauté Privée, c'est Therapy Pack, donc c'est un black mask, il est super bien, après il m'a pas fait pas duré longtemps, c'est que 30 grammes, je sais pas, il a dû me durer un mois à tout casser, donc pas énormément, après j'en mets quand même pas mal, on va pas se mentir, mais il m'a pas duré longtemps. Là actuellement j'utilise ce petit masque Origins Out of Trouble, donc c'est un masque de survie pour peau à problème et c'est vachement bien. C'est un masque que tu laisses 10 minutes sur ta peau, c'est blanc et c'est un peu, je crois, l'argile, je crois, il me semble, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Tu veux quoi dans ton avec Dwitch? Du tartare et du jambon, là, tu sais, du dinde. Jambon de dinde, c'est tout? Jambon de dinde. Tartare, c'est tout? Tartare. Tu veux pas de tomates? Vraiment, avec Dwitch, ça t'a fait rire? Oui, ça m'a fait rire avec Dwitch. ensuite, j'utilise ce petit nettoyant pour le visage. Hyper bien, après il laisse la peau un peu plus, pas huilée je dirais, mais il y a une petite fine couche de quelque chose, je sais pas trop ce que c'est, je pense peut-être de l'huile. Hein. Il reste sur la peau, comme ça t'as la peau bien hydratée après, donc c'est vachement bien. En fait je suis en train de tester les petits trucs Origins que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent de l'année dernière. Je me dis putain Lisa, il te reste tout ça que t'avais il y a un an, t'as toujours pas utilisé, il serait temps de tester quoi. Donc je suis en train de tout les vider, de tout tester, etc. Et je suis pas mal surprise par cette marque-là qui est vraiment très très bien, je suis trop contente. Donc voilà pour le petit topo des produits terminés. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous montre ces produits terminés, que je vous donne mon avis. Mais franchement cette marque-là elle est vachement bien. Là cette année je vais tester la marque Kiehl's, vu que j'ai acheté son calendrier de l'Avent, il y a pas mal de miniatures, etc. Mais comme vous pouvez le voir, les miniatures Origins, elles durent quand même pas mal de temps. Et ça te permet d'avoir vraiment une bonne idée du produit, et je trouve ça hyper bien parce que des grands formats, si t'aimes pas le produit, tu te dis c'est un peu gâché, tu vois. Et là, vraiment des petits formats, mais c'est des bons petits formats, donc vraiment pas mal. Voilà, et je suis en train d'utiliser, enfin de finir ma petite eau de Thierry, vous voyez, il reste pas grand chose, pour purifier, etc. Ça sent super bon, et encore une fois, je l'ai acheté sur le site de Beauté Privée, donc c'est Christian Lenard. Je crois que j'en ai d'autres encore, j'en ai encore bleuet, enfin j'en ai encore pas mal. Donc voilà, en gros, ce que je voulais aussi vous annoncer, c'est que je vais faire un énorme tri dans tout mon appartement. Je sens que ça va être archi long. Je vais faire un tri au niveau vaisselle, j'ai quand même commencé, j'en ai enlevé quand même pas mal de la vaisselle. Je vais faire un tri au niveau de tout ce qui est vêtements, parce que là... Là, faut que je me sépare de certains vêtements, ça fait tellement longtemps que je les ai pas mis. Donc bref, il y aura un énorme tri de vêtements, donc tout sera sur Vinted à des prix vraiment bradés. Je vous ferai un petit code promo comme j'avais fait la dernière fois, de moins 30% sur tout le Vinted, y compris sur les lots. Donc je vous ferai ça bientôt, vous inquiétez pas. Ensuite, il y aura peut-être aussi des tris au niveau de mes décorations. Ouais. Donc je sais pas si on peut mettre ça sur Vinted, mais je crois que oui. Donc il y aura ça. Alors, en fait, il y aura énormément de tri. Je veux vider tout. Il y aura peut-être, mais je ne pense pas, mais peut-être des articles de Noël. Donc peut-être du Noël, mais après, je sais pas, parce que j'ai pas envie d'enlever tous les bacs, etc. J'avais fait déjà un tri de toutes mes boules de Noël. J'en avais donné à mes voisins. Donc bref, il y aura un énorme, énorme tri. Et j'espère que vous serez là pour me soutenir, notamment sur Instagram. Parce que vous n'imaginez même pas à quel point faut faire un tri, vraiment. Donc les prix ça variera, hein. Si c'est vraiment des produits de marque entre guillemets, ça sera autour de 10-15€. Si c'est des produits normaux genre Pinky, Jennifer, Shein, Pierre Paul Jacques, ça sera autour de 5€ et vous aurez les moins 30% du tout. Et si vous les prenez en lot, vous avez moins 20% plus moins 30%, donc c'est énorme. Ah, t'es caché par mon truc, je suis morte. Vous ne l'aviez pas. Ah ouais. Mon petit coup sérieux aussi. C'est vous de l'ardon. Bizarre pain. Je te jure. On n'a pas le même pain. C'est le pain de chez Costco. Vous verrez la vidéo haul retour de course Costco mercredi. Donc là je vais suivre le cours qu'elle a mis sur le NT. Donc c'est un cours de 2h et un autre cours de 2h. Donc en tout 4h d'informatique. Je sens que ça va être très très long. Mais bon, il faut ça. J'ai ma petite bougie.
J'ai mon petit Lipton Ice Tea Green Tea. Normalement, je suis bien. J'ai mon iPad, tout est bon, j'ai de la batterie. On peut commencer à travailler. Le problème majeur entre guillemets, et encore c'est chiant mais vas-y c'est comme ça, je vous prends en contre-plongée, excusez-moi hein, de vous faire peur. En gros, je vais vous faire écouter. Voilà, donc on s'était arrêté sur la partie fort. Je sais pas si vous entendez le bruit de fond, on dirait qu'il y a un aspirateur qui est en train de circuler. C'est hyper désagréable en fait de suivre un cours de 4 heures avec ce bruit là constamment. Et c'est pour ça que j'aurais tellement voulu que les profs puissent aller, en plus ils peuvent y aller, tu vois, ils peuvent aller en amphi, à utiliser le micro de la fac et la visio, enfin la caméra de la fac, parce que c'est vraiment hyper pratique et ça ne nous met pas dans un mode vraiment confinement, parce qu'on voit notre prof à la fac, donc on est encore dans le, enfin psychologiquement on est encore dans le la fac. Je sais pas comment vous dire ça, mais peut-être ceux qui sont en cours visio et tout comme je le suis, vous comprendrez. Après ils font comme ils peuvent et tout, franchement ils se débrouillent super bien, etc. Mais ouais, enfin, j'aimerais tellement qu'ils se déplacent dans la fac. Mais après, je suis sûre, peut-être qu'il y a des gens qui habitent à Perpète, etc. Vivement qu'on arrête ce putain de virus, hein, vraiment, je vous le dis. Hein. Donc là, actuellement, il est 15h23. J'ai cours à 15h30 de droit fiscal. Malheureusement, on est au courant de rien. Je pense que vous aussi, c'est un peu galère. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, comment ça se passe dans vos facs et tout, si c'est un peu la merde ou pas. Si c'est la merde, vous inquiétez pas, on est ensemble. Mais ouais, c'est pas fameux. Là, je suis en train de faire un cours de VBA. Donc, il me reste 30 minutes. En fait, j'avance beaucoup à son cours parce que elle fait des exemples et tout, et elle s'éternise beaucoup sur les exemples. Donc, en une heure, j'ai fait 3 heures de cours. Donc ça va assez vite. Et je trouve mon cours, il est pas mal. Et on comprend bien. Je vais vous montrer un petit peu. Encore une fois, je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais on comprend bien. Enfin, avec les codes couleurs et tout, c'est vraiment pas mal. En fait, c'est de la programmation. Donc c'est des trucs comme ça. Donc c'est ce que mon copain fait, mais d'une manière un peu moins poussée que mon copain, bien évidemment. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là, je suis en train de faire ça. Personnellement, la VBA, la programmation, ça, enfin, je pense pas que ça va m'être utile dans la vie parce que j'ai l'expert de la programmation qui est mon copain. Pour ceux qui ne savent pas, il est à l'école 42, donc c'est l'école du fondateur de Free. Une très très bonne école, reconnue mondialement, elle est très très dure à l'entrée. Il faut faire un énorme concours qu'on appelle la piscine. C'est extrêmement dur et il l'a réussi haut la main. Il a réussi le projet le plus difficile de la piscine tout seul. Il était classé 40e sur 1000 ou 900. Enfin, c'était quand même pas mal et 40e quoi, c'est énorme. Bref, il est trop fort mon copain là-dessus. Et notre but en fait, c'est que de monter notre propre boîte. Donc lui, il réalisera tout ce qui est site internet, tout ce qui est tout derrière en fait les trucs internet. Moi, je m'occuperai du marketing, de la gestion et de la compta. En gros, c'est ça en fait notre goal dans la vie. C'est pour ça que je me bute à faire ces putains d'études et à les finir au plus vite et apprendre ce qu'il faut vraiment apprendre, genre ce qui va vraiment m'être utile dans la vie. C'est pour ça que je me motive énormément avec ces cours, même si parfois c'est un peu compliqué, je vous avoue. Que ce soit au niveau de l'organisation, au niveau de la santé mentale aussi, on va pas se mentir, parce que quand on est fatigué, c'est un peu compliqué de travailler. J'ai un but dans la vie, je veux monter mon entreprise. J'aimerais tellement la faire maintenant, mais c'est un peu la crise économique, donc c'est pas le moment de monter une boîte. Mais ouais, j'aimerais bien d'ici 3-4 ans monter ma boîte et la faire évoluer petit à petit en fait. Je vais continuer, je sais pas si ce vlog est long, est intéressant et tout, je suis désolée, je blablate énormément. En même temps, on est confinés, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Mais en tout cas, j'espère que ça va bien se passer pour vous, les cours et tout, pour tous les étudiants. J'espère que vous êtes motivés et tout, c'est bientôt fini les études. Allez, on se dit, il nous reste 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, allez, grand maximum. Et 5 ans max de notre vie, après on est tranquille pour toute la vie, quoi. Entre guillemets, hein, dans un monde de bisounours, on est tranquille pour toute la vie. Ensuite, je voulais vous parler d'un petit truc, je sais que pas mal d'étudiants peut-être sont en galère, je ne sais pas du tout. En tout cas, nous, on doit par exemple passer un truc informatique là, avec Word,
Excel, PowerPoint, etc. Enfin bref, tous les trucs de Microsoft. Et c'est payant parfois, les abonnements sont parfois payants. Mais en tant qu'étudiant, tu peux l'avoir gratuitement. Il suffit d'aller marquer, je sais pas moi, Excel gratuit pour les étudiants. Tu vas sur le premier lien que tu trouves, donc c'est Microsoft gratuit pour les étudiants. Tu entres ton adresse mail de ta fac. Donc moi par exemple, c'est elisa.monnomdefamille@je-sais-plus-quoi.fr. Donc tu rentres ton adresse mail étudiante de ta fac à toi, donc c'est @univ-parisien.fr. Tu rentres cette adresse mail là et ensuite tu peux te créer un compte. Ils vont te demander des codes d'accès, etc. qu'ils vont t'envoyer. Mais sinon, bah, j'ai accès maintenant à Excel gratuitement, je suis super contente. Donc ça se présente comme ça, je sais pas si tu verras quelque chose. T'as Word, Excel, PowerPoint, etc. OneNote. Non mais c'est vrai. Je suis trop belle et trop forte. Non mais attends, il y a un truc en 3 heures, j'ai fini en 1 heure. Genre je suis partie avant tout le monde, je suis trop une big boss, tu vois. Tu vas ? Bah oui, j'ai tout bon. Tu vas ? Oui. Jour 20. Oui, genre la meuf elle est venue, elle a vu mon travail, elle dit bah c'est bon, vous pouvez partir. Ce moment-là, non, c'est bon, on travaille. Je suis trop chaude moi. Je fais des trucs, je sais même pas comment je fais ça, mais je le fais. Bon, là il est actuellement 16h15, j'ai cours à 17h. Enfin, j'ai TD d'informatique, donc heureusement que j'ai téléchargé Excel. Donc j'ai pas cours de droit fiscal, j'en ai eu aucune nouvelle, etc. Donc c'est un peu chiant, je vous avoue. En attendant, je vais regarder un petit film de Noël parce que ça a enfin recommencé les films de Noël, je suis trop contente. Là je suis en train de regarder quoi ? Un fiancé à louer pour Noël. Bon, je regarde les trucs de TF1, je connais pas trop. Mais si vous avez des films de Noël à me conseiller, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Je sais qu'il y en a un sur Netflix qui est arrivé, c'est Holidays. Et on aura un autre qui va arriver avec Vanessa Hudgens. Je suis trop contente. Donc j'ai trop hâte. J'espère que ça va mettre dans le mood Noël et tout. Vraiment, je compte là-dessus. Et en attendant, je vais regarder ça et je vais faire une petite partie de Animal Crossing. Ça fait super longtemps que j'ai pas repris Animal Crossing. Ça fait depuis le dernier confinement. Et je me suis remise il y a 2 jours et j'aime bien. Je joue avec parcimonie pour vraiment faire durer le plaisir. On est la nuit, j'ai allumé la lumière, il est actuellement 19h quelque chose, donc j'ai eu mon 19h24, j'ai eu mon cours, enfin mon TD d'informatique. Le truc c'est que l'Excel de mon ordinateur et l'Excel de la prof est différent, totalement différent, donc c'est un peu galère pour s'y retrouver et je peux pas enregistrer aussi mon fichier parce que c'est pas compatible avec Mac, bref un bordel, je me suis énervée quand mon PC laisse tomber, donc normalement je crois que c'est la prof qui doit faire une modification, je sais pas quoi, j'ai pas envie de manger de viande ou autre, enfin un truc comme ça, je suis en train de me faire des légumes, je l'ai mis peut-être un petit peu trop fort là. Oh, c'est en train de cramer. Alors ça c'est les conneries de Patrick, c'est à dire que mon père il m'a offert ça à Noël pour poser les... Et bah c'est super. Ensuite, talalalala, est-ce que ça a cramé? Oui Elisa, ça crame, comme d'habitude quand tu fais à manger tu crames tout, bah oui. Donc ça en fait c'est du surgelé, je sais pas si vous allez en entendre, c'est du surgelé de chez Lidl. Et là c'est la purée de patates douces congelée. Et c'est super bon, vraiment super bon. Après c'est un peu galère à faire cuire, je vous avoue, c'est un peu galère mais bon, c'est super bon. Donc je vais pas me faire de viande à part si mon copain il veut de la viande mais... Oh bichette, je sais. Bon il est actuellement 21h30, j'étais en train de faire mes TD. Je pense qu'il est grand temps d'arrêter de travailler. Parce que là ça fait depuis 10h ce matin que je suis dessus, que je suis sur mes cours, donc il serait temps de décompresser un petit peu. Donc je vais regarder la télé, après je vais me faire mes petits soins du visage, etc. Enfin bref, voilà, c'est pas très intéressant. Je pense que ce vlog est déjà très 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 long. Je pensais pas du tout qu'il le serait, j'espère que ça vous a plu. Mon petit blablatage, c'était plus du blabla que autre chose. Hein. Là il y a Bichette à ma gauche et à Chouquette à ma droite.
Et puis bah, je vais vous laisser. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui ficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo.